Et voilà, c'est parti. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous et oui, merci d'être avec nous. 18h tout pile et vous êtes sur 01 TV, c'est parti pour un 01 Live Edo qui s'annonce exceptionnel. On a beaucoup beaucoup de choses à vous raconter ce soir. Il sort demain, François, l'iPhone 8 d'Apple et il a été testé par le labo 01net. Raphaël Grably va tout nous dire. Voilà, un test complet. On aura même l'aspect photo qui sera décortiqué parce que c'est vrai que c'est ce qu'on attend vraiment en premier lieu aujourd'hui d'un smartphone. Et on verra s'il y a des progrès par rapport à l'iPhone 7. Alors, c'est pas tout. Autre smartphone vedette qui vient d'être commercialisé et qui a été testé également par le Labo 01net, c'est le Galaxy Note 8. L'équivalent, d'une certaine manière, en tout cas en termes de prix, hein, le flagship de Samsung. Et on en parle également ce soir. Voilà. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, les amis. On a plein, plein d'autres choses à vous raconter. Comme par exemple, ça bouge du côté de la téléphonie mobile. Comme si on s'y attendait, c'est vrai que c'était une rumeur qui circulait depuis pas mal de temps. Google rachète une partie d'HTC. On va rentrer dans les détails dans un instant avec Éric Le Bourlou. Un logiciel espion caché dans un programme anti-espion. C'est pas le comble, ça. C'est le logiciel CCleaner et Gilbert Kallenborn va venir nous expliquer exactement ce qui s'est passé. Oui, parce que ça a l'air compliqué cette histoire-là, mais vous allez voir après, c'est très simple, mais c'est vrai que ça fait peur. Adopi, eh ben, Adopi a 7 ans. Ouais. Quel bilan pour l'autorité anti-partage ? Anti-piratage. Même. Pardon. Oui, parce qu'en fait, quand je dis anti-partage, parce que c'est vrai qu'Adopi, on partage des fichiers aussi, finalement, fou, ça marche aussi avec ça. Ouais. Et vous allez voir que ce bilan, après 7 ans de création d'Adopi, n'est pas très brillant. Ce sera le Zoom Actu de Noémie Lefebvre-Marek. Et si on a le temps, on terminera par un drone, un nouveau drone que vous découvrirez, c'est le nouveau drone Parrot, le Bebop de Power que David Noguera a testé et qu'il viendra nous présenter. Voilà, il est très beau, il fait plein de choses sympas. Ce sera à la fin de ce 01 Live Hebdo. Merci d'être avec nous, soyez les bienvenus, c'est parti. Et on commence, Jérôme, par la question 01net Orange, bien sûr. Utilisez-vous un logiciel anti-espion ? Bah avant, oui. Dites-le nous, hein, est-ce que vous avez téléchargé, installé ces petits programmes qui sont censés surveiller pour empêcher le vol de données personnelles ? Oui, non, pour voter, vous allez sur www.01nettv.com. Tiens, est-ce qu'Éric Le Bourlou sur son PC a un logiciel anti-espion ? Non. Bonjour Éric. Bonjour. Non, j'en ai Eric. Pas. T'en as pas ? J'en ai pas, non. Tu fais confiance à ton OS ? Non, je fais confiance à mon comportement sur Internet surtout. C'est ça qu'il faut faire. Il faut faire très gaffe c'est à vrai, ça. C'est vrai. Bonne réponse. Et c'est surtout ça qui, voilà, si vous déjà vous faites gaffe à ce que vous faites sur Internet, ça permet d'éviter pas mal de virus et de saloperies. Voilà. On va parler de saloperies dans un instant avec Gilbert Kallenborn et cette histoire incroyable de ces cleaners. Mais pour débuter l'actu, qui est toute fraîche, est tombée cette nuit. Hein, oui. Google rachète. Oui. Une partie importante d'HTC. Oui, alors on pensait qu'ils allaient racheter HTC, mais non, ils ne rachètent pas HTC. Ils rachètent en fait des ingénieurs d'HTC. Ils rachètent, on va dire, 2000 ingénieurs qui vont 2000 voilà, têtes. Voilà. Je voudrais 2000 billets d'avion, s'il vous plaît, de Taïwan jusqu'à San Francisco. Et ils rachètent aussi une partie de la propriété intellectuelle d'HTC, hein, qui a des brevets, évidemment. Oui, il doit avoir pas mal de brevets, quand même. Et voilà, et qu'il va donc pouvoir servir Google et ses nouveaux projets hardware, parce qu'on sait que depuis, Google s'intéresse au matériel depuis longtemps, mais beaucoup plus sérieusement depuis un ou deux ans, et que ça passait sans doute ça par le rachat d'un acteur comme ça. Donc ils rachètent que les smartphones, mais pas HTC Vive, par exemple. Ils ne rachètent pas effectivement HTC Vive. Ils ne rachètent pas non plus toute que fait HTC, toute l'entité smartphone. Ça veut dire est-ce qu'on aura encore des smartphones HTC ? Ouais. Oui, il y aura encore des smartphones HTC, a priori, hein, effectivement. Mais avec des touches. Peut-être. À l'ancienne, vous savez, à l'époque où HTC s'appelait Qtech. Exactement, comme Nokia. Voilà. Ils reviennent à Qtech. Ça, on s'adresse aux vieux geeks qui nous regardent. C'était bien. Mais en tout cas, oui, c'est quand même une bonne partie de la tête d'HTC qui va donc partir chez Google. Alors, c'est des gens, Google le dit lui-même, qui connaissent déjà un petit peu Mountain View, la Californie, tout ça, puisque HTC a largement contribué à la fabrication du Pixel, hein, le smartphone de Google qui a été lancé l'année dernière, mais pas en France. Et donc, effectivement, ces gens-là vont aller bosser à Mountain View. Ils vont quitter Taïwan pour aller bosser à Mountain View. Ils renforcent leurs troupes et leurs capacités hardware. Exactement. L'idée, c'est effectivement d'essayer d'aller affronter Apple sur son terrain de l'intégration entre le matériel et le logiciel. Cela dit, c'est une bonne idée.
a priori, c'est une. Enfin, on va dire déjà que Google a déjà essayé. Hein. C'est vrai que c'est pas le premier fabricant de smartphone qui rachète, puisque Google avait racheté Motorola pour avec beaucoup plus cher. D'ailleurs, ils ont acheté 12 millions, ils l'ont revendu 4, je crois. 12 milliards, oui. 12 milliards, pardon. Ils l'ont revendu 4, mais bon, ils ont pris quelques brevets aussi au passage. Ils ont pris beaucoup de brevets au passage. Ils ont aussi, ils avaient aussi repris ATAP, hein, qui était la division, on va dire R&D, avec des projets un peu fous de Motorola. Mm-hmm. Et bon, après, c'est vrai que ça n'a pas été un énorme succès, on va dire, parce que ça a été revendu peu après. Là, c'est beaucoup moins ambitieux, ce deal avec HTC, puisque c'est un peu plus d'un milliard d'euros. Enfin, ce qui est quand même. Mais alors, c'est une bonne idée ou pas, Eric ? Un milliard de dollars, pardon. Est-ce que c'est une bonne idée pour lutter contre Apple, qui, on le voit, aujourd'hui réussit à faire du matériel qui est vraiment des smartphones, en tout cas, qui sont vraiment bien intégré entre le logiciel et le matériel. Oui, Google doit en passer par là. Il n'y a pas d'autre solution, en fait. Si demain on veut avoir un smartphone, on va dire sous Android premium comme le fait Apple, s'ils veulent vraiment devenir sérieux sur le hardware, il faut qu'ils passent par avoir des gens qui s'y connaissent. Hein, et d'ailleurs, on dira ce qu'on veut sur HTC, qui aujourd'hui n'a plus beaucoup de parts de marché, mais ça reste un excellent fabricant de smartphones. Ce qui est rigolo, c'est que HTC, avant d'être une marque, était un constructeur de téléphones pour plein d'autres marques. Hein, rigolo parce que finalement, ils reviennent un petit peu à ce qu'ils étaient au départ. Exactement. Et d'ailleurs, on reparlera d'HTC dans quelques jours, puisque le 4 octobre sortiront les nouveaux appareils on va dire Google, qui seront fabriqués par HTC. Qui sont fabriqués en partie par HTC, puisqu'a priori, il y aura aussi un modèle fabriqué par LG. Mais bon, ça, on verra bien le 4 octobre. Mais oui, mais en tout cas, ce qui est en plus étonnant, c'est qu'HTC s'est fait connaître principalement pour du Windows Phone. Vous vous souvenez, mais HTC, c'était des Windows, pas des Windows Phone, on appelait ça Windows Mobile à l'époque. Avec le petit stylet, il fallait. Ils ont démarrer sur l'écran, c'était génial. Exactement. Avant de se rapprocher de Google avec le G1, qui était le tout premier téléphone Android. Exactement. En tout cas, ils savent faire des smartphones. Hein. Effectivement, ils font ça depuis des dizaines d'années. Donc, regardez sur le comparatif des meilleurs photophones du moment, c'est un HTC. Hein. Oui, c'est le dernier HTC en date, le U11, qui est excellent en photo, excellent. En effet. Tout comme le G6 d'LG d'ailleurs. Et on sait que d'ailleurs, c'est une des caractéristiques du Pixel qui est aussi excellent en photo. Donc effectivement, la photo, c'est quelque chose d'important pour Google et pour HTC. Voilà, et prenez d'ores et déjà date, hein, le 4 octobre, nous serons en direct sur 01net TV pour vivre la keynote Google avec beaucoup d'annonces, visiblement. Hein, ça s'annonce hyper intéressant. Ça s'annonce pas mal, ouais. Et on sera là. Merci Eric pour ces explications. Restez avec nous, on parle dans un instant et tout de suite même de ce logiciel anti-espion qui en fait contient lui-même un logiciel espion. Et on rappelle d'abord que c'est fou. Tombez les gars, mais qu'est-ce qui se passe là? J'installe un antivirus et dedans il y a des virus, mais là j'installe plus rien finalement. Bon, on en parle tout de suite avec Gilbert qui est là, non? Gilbert Kallenborn de la rédaction de 01net qui est là avec nous, spécialiste de la sécurité. Bonsoir Gilbert. Bonsoir. Bon alors Gilbert, si on commence à installer des logiciels qui sont en fait prévus pour enlever les logiciels anti-espions et qu'ils en installent, mais où va-t-on ? Que va-t-on devenir ? Et oui, c'est totalement incroyable en fait, c'est un piratage très sophistiqué qu'on a vu cette semaine. CCleaner, donc tout le monde connaît CCleaner, enfin la première chose quand on achète un PC Windows, c'est installer CCleaner parce que ça permet de nettoyer la base de registre, de faire plein de choses très 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 utiles. Et en fin de compte, donc CCleaner, c'est surtéléchargé le troisième logiciel le plus téléchargé. Mm-hmm. Donc c'est quand même énorme. Parce que c'est gratuit. C'est gratuit, c'est efficace. Voilà. Et donc l'objectif de CCleaner, bon, c'est de nettoyer le PC, mais c'est aussi d'enlever, de surveiller le PC dès qu'on installe un logiciel anti-espion. Exactement. Et ce qui s'est passé, c'est que des pirates ont hacké en fait le serveur de mise à jour de CCleaner pour introduire un malware qui s'est du coup installé sur plus de 2 millions de machines. Et ce malware, donc, c'était justement tout ce que doit chasser CCleaner, c'est ça ? Alors, ce malware, en fait, était une porte dérobée, en fait, qui servait à installer un second malware sur certaines machines, en fait, de certaines sociétés technologiques. Donc, en fait, on est en fait dans le cadre d'une attaque ciblée, d'une attaque émanant, en fait, d'un groupe, on va dire, gouvernemental pour faire de l'espionnage très, très ciblé
sur Et comment on s'en est aperçu? Alors c'est en fait c'est les chercheurs en sécurité de Cisco Talos Intelligence qui ont découvert en fait ce malware. Et après donc il y a d'autres chercheurs qui ont commencé à travailler dessus et donc qui ont découvert en fait tout ce qui se cachait derrière tout ça. Est-ce que ça concerne toutes les versions de CCleaner? Non, alors c'est une version très très précise en fait de CCleaner, la version si je me rappelle bien 5.33. Ouais. Enfin, elle a été retirée j'imagine maintenant. Elle a été retirée et donc maintenant il est conseillé effectivement de faire vivement le plus rapidement possible la mise à jour. Ce qu'on peut dire peut-être aussi, c'est que a priori, je pense que les particuliers ne sont pas vraiment visés en fait par cette attaque, parce que c'est une attaque donc ciblée qui concerne en fait des entreprises. Mais ça, c'est le côté rassurant de l'affaire. Voilà, donc parce que certains. Mais malgré tout, cette porte dérobée, elle est installée aussi sur les PC, surtout sur les PC de Monsieur Blan, tout le monde, non? Alors avec... elle a été installée sur plus de 2 millions, voilà, sur plus de 2 millions PC. Oui. Donc il faut faire quoi? Il faut faire la mise à jour de CCleaner permet de se débarrasser de cette porte dérobée. C'est très drôle. Elle est très bien. Tu vois, non, elle est bien passée. Elle est très bien. Discrète. Parce que j'ai lu un article là, effrayant de Pierre Fontaine qui disait qu'en fait il y avait eu un deuxième IFI qui se coule avec CCleaner et que sur certaines machines il fallait même réinstaller Windows. Oui, alors effectivement, si vous êtes dans le cas, si vous avez eu le deuxième paquet cadeau en fait de cette attaque, parce que donc d'abord première étape, j'installe la porte dérobée. Ouais. Deuxième étape, il y a un autre malware qui arrive pour faire autre chose. Donc a priori de l'espionnage industriel. D'accord. Et donc dans ce cas-là, effectivement, la mise à jour de CCleaner, ça ne suffira pas. Il faudra faire une mise à jour. Il faudra réinstaller tout le système. Gilbert, on a Lucien sur Twitter qui nous demande qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il y a une alternative à CCleaner? Une alternative à CCleaner. Est-ce qu'il y a d'autres logiciels comme ça qui... c'est une question qui se pose. Enfin là, dans le cas de cette attaque, ça se pose pas vraiment. Parce qu'en par exemple, Windows Defender qui est sur Windows 10 qui est installé, on va dire, de facto. Oui, alors protège c'est... aussi, non, le oui, PC bah, enfin, CCleaner, c'est surtout un logiciel qui vous permet, son intérêt principal, c'est pour nettoyer notamment la base de registre. Ça sert notamment à ça, mais ça sert aussi à, effectivement, si vous avez, par exemple, des logiciels que vous avez désinstallés depuis longtemps, ça vous permet de, on va dire, de faire le ménage principalement. C'est ça sa principale fonction. Il existe évidemment d'autres logiciels de ce type. Alors moi, je suis pas spécialiste de la question, mais je sais qu'il en existe plein. Il faut quand même se méfier aussi de beaucoup de ces logiciels. CCleaner était réputé justement pour son sérieux. Et en fait, d'ailleurs, ils appartiennent indirectement à Avast, qui est un des antivirus. L'antivirus Avast. C'est la question 01net orange du jour. Est-ce que vous utilisez un programme anti-logiciel espion? Alors je ne sais pas si on peut voir la tendance, mais moi je peux vous la donner. On est à non à 66%. Voilà, oh là, formidable. Regardez, on fait des trucs, mais c'est incroyable. Incroyable. 67% Didier Abrams doit pleurer de jalousie quand il voit ce qu'on arrive à faire quand même sur 01net TV. Ça c'est du lourd. Franchement, ça, Star Wars à côté. C'est les incrustes locaux. Pipi-chat, quoi. D'accord. C'est magnifique. Donc majoritairement, ouais. Vous n'utilisez pas de logiciel anti-espion. Oui, enfin, il y en a peut-être qui n'osent pas le dire. N'hésitez pas, continuez à voter. La question 01net orange, utilisez-vous donc un programme anti-logiciel espion? Merci. Eric et Gilbert, merci beaucoup. Merci. Merci. Et tout de suite, c'est le Zoom Actu avec Noémie Lefebvre-Marais qu'on va parler. On va parler de piratage ou plutôt d'anti-piratage avec le bilan de la fameuse Adopi. C'est parti. Spécialité française. Et dans un instant, les amis, nous vous montrerons sur ce plateau. Sans doute l'un des téléphones stars de cette année, c'est l'iPhone 8. Il est là, on va vous le montrer sous toutes les coutures dans un instant. Il sort demain, voilà. Donc on vous le montre en avant-première et en plus, on vous parlera du module photo de ces nouveaux iPhones, à la fois l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus. Que valent-ils par rapport au précédent modèle et à la concurrence? On aura deux spécialistes sur le plateau pour nous raconter tout ça. Bonsoir Noémie Lefebvre-Marec. Bonsoir Jérôme Colombin, bonsoir François Sorel. Bonsoir Noémie Lefebvre-Marec, ça va bien? Merci d'être avec nous ce soir à nouveau. Merci de me recevoir. Tout va bien.
C'est, voilà, on est poli, oui, en tout cas, oui, ça bah c'est oui, clair. C'est la Hadopi, on l'avait presque un peu oubliée, on n'en parlait plus depuis quelques temps. Spécialité française, elle a 7 ans, la Hadopi. Ouais. Et comme chaque année, elle fait son bilan. Alors, ça donne quoi cette année ? Et bah effectivement, ça fait. Alors, on va rappeler ce que c'est la Hadopi, donc qui lutte en fait contre le peer-to-peer. Hein. Il y a plusieurs techniques de piratage. La Hadopi, la haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet. C'est beau, ça, c'est tellement un 90s. Oui. Ça sonne tellement bien. Et oui, et donc qui essaie de coincer les pirates, qui s'essaie au peer-to-peer, un manque à gagner estimé en France à 1,35 milliard d'euros. Donc qui comprend à la fois les recettes fiscales. Ça. Musique et vidéo, qui comprend les recettes pour l'État, mais aussi un manque à gagner pour les ayants droit. En début d'année, l'autorité s'était félicitée plus ou moins de son efficacité, mais comme vous l'avez dit, Jérôme, une étude statistique du site... Noémie. Une étude statistique du site Next Impact ne va pas vraiment dans le même sens. Depuis 2010, pour vous donner quelques chiffres, il y a 10 millions de mails qui ont été envoyés, 10 millions de mails de premier avertissement qui ont été envoyés, 8 millions de second avertissement. Et puis alors là, la suite, qu'est-ce que ça donne ? C'est quoi la suite ? Et ben là, c'est le petit problème, c'est le problème de l'efficacité des relations avec la justice, parce qu'il y a seulement 2000 dossiers qui ont été transférés à la justice. Et au final, 151 condamnations. J'ai fait le calcul. Ça donne 0,002% de condamnations à mettre au regard de ces 8 millions de secondes avertissements. Enfin, la Hadopi a toujours dit que c'était préventif, hein. C'était pour dissuader. Oui, c'est vrai qu'ils ont aussi. Voilà, ils ne font pas que la répression, il faut aussi de la dissuasion. Mmh. Mais c'est vrai que du coup, certains ont pointé un peu du doigt l'efficacité d'Hadopi. En 2016, un cabinet d'audit estime à 13 millions le nombre de Français qui ont vu ne serait-ce qu'une fois dans l'année 2016, un contenu piraté. C'est-à-dire qu'en fait, Hadopi, pas Hadopi, tout le monde s'en fout, en fait. Hein. Tout le monde continue, c'est un épouvantail qui n'effraie personne. Comment les autorités réagissent, en fait, Noémie ? Que faire pour lutter, en fait, contre ce piratage ? Eh bien, alors, Hadopi essaie de réfléchir à un nouveau système, un système d'amende forfaitaire, donc il n'y aurait plus besoin de passer par la justice. C'est Hadopi qui serait capable de faire d'émettre des amendes et donc de recevoir l'argent, en fait, tout simplement. La ministre de la culture Françoise Nyssen vient de passer un accord avec Google pour ce qui concerne les vidéos piratées sur YouTube, en fait, pour réussir à bloquer beaucoup plus rapidement les vidéos passées par piratées sur YouTube. Et puis il y a aussi des pressions de la part des ayants droit, du monde du cinéma, des pressions représentées par l'ALPA, donc c'est l'Association française de lutte contre la piraterie audiovisuel, pour faire émerger un nouveau type de contrôle de sanctions. Alors là, ce serait un contrôle automatique, un peu à l'image de ce qui se passe sur les radars routiers. Donc là, on n'a pas de précision sur le fonctionnement, mais voilà, l'ALPA a demandé au ministère de la Culture de se pencher sur un système qui permettrait de filtrer directement. Mais tout ça, je le rappelle, ne concerne que le peer-to-peer. Oui. Or, il y a tellement d'autres sources aujourd'hui de piratage. Il y a beaucoup d'autres manières notamment de le streaming, pirater. Hein. Exactement, le streaming. Et je ne citerai qu'un seul exemple, celui de Game of Thrones. Vous savez que c'est la série qui a été piratée le plus grand nombre de fois, 1 milliard de fois pour la saison 7, là, cette année. Et je vous le donne en mille, 83% de la piraterie, en fait, c'était en streaming. C'est-à-dire que les gens, le peer-to-peer ne concernait que 10%. Bien sûr. Donc c'est pas grand-chose. Donc voilà, c'est un combat gigantesque qui n'est pas du tout terminé. Ouais. C'est vrai que Game of Thrones, c'est véritablement emblématique du problème du piratage. Hein. Ouais. Cela dit, ça n'empêche pas HBO, qui est l'éditeur de cette série, à gagner énormément d'argent et de faire d'énormes bénéfices. Mais c'est toujours comme ça. Hein. Sur peut-être en partie grâce au piratage, mais bien sûr. Ouais. Merci beaucoup Noémie. Merci à vous. Plus de recettes. Ouais. Jérôme, t'as reçu une petite lettre recommandée récemment pas ou pas du tout. Pas moi, du je l'ai regardé légalement. J'ai tout vu. En plus, j'attends la saison 8 avec impatience. Là, j'en peux plus. Bah, c'est pas pour tout de suite. Non, c'est pas pour tout de suite, malheureusement. Bon. Et ben écoutez, vous savez quoi ? Là maintenant, ça y est, on va rentrer dans le, j'allais dire dans le dur. On peut le dire. Oui, enfin c'était déjà bien, hein, c'est tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Je suis pas en train de dire que c'était pas bien ce qu'on avait fait avant, mais là, franchement, on va avoir quand même le téléphone que beaucoup de gens attendent. T'es d'accord ? Et surtout, on sait enfin maintenant ce qu'il vaut. Oh, hein, le prix, mais en termes de perf. Ouais. Voilà. Il sort demain. Il est déjà sur le plateau de 01net TV. Allez. Regardez-le. Il est là. C'est l'iPhone 8. On se fait un jingle d'abord ou pas ? On se fait un jingle, allez, jingle, c'est parti. Allez.
Je fais des efforts. Et pour analyser l'iPhone 8, il n'y a pas d'autre mot, nous avons nos deux spécialistes. Oui. Non pas un. Deux mais spécialistes. Non, mais parce que quand on s'attaque comme ça à un gros morceau, il faut au moins deux spécialistes. Ouais. Puis comme Raphaël, le programme n'est pas terminé. Après, on parle du Galaxy Note 8, après, on parle du drone. Ouais. Donc, et après, on va se coucher. Et puis après, on va se coucher. On rentre. Donc, il va falloir condenser tout ça. Raphaël Grably et Adrien Branco, ils sont là. Bonsoir. Salut. Bon, alors, monsieur, bonsoir. Allez, on va commencer par Raphaël. Oui. On va commencer par Raphaël. Alors Raphaël. Alors, cet iPhone 8. Eh ben écoute, c'est pas mal comme question. C'est pas mal comme question. Eh ben il est pas mal. Ok, merci Raphaël. Il est pas mal, merci beaucoup. Non, ben je peux vous le montrer déjà. Hein, parce que j'ai quand même la chance de l'avoir en main. Bon, ceci dit, je pourrais vous montrer un iPhone 7. Hein, C'est pas beau. Non, mais alors justement. On voit déjà la coque, que cette coque n'existe pas. Elle est nouvelle, non? Enfin, la coque, c'est la coque en silicone classique. Oui, oui, oui. Après, par contre, cette coque silicone, je crois qu'elle est nouvelle, non, chez Apple? Non, il avait déjà, mais d'ailleurs, elle est très bien, cette coque. Elle est pas mal. On va plutôt parler de la coque. Alors voilà, on va passer un quart d'heure sur la coque. Non, en fait, j'avoue qu'on avait une petite appréhension déjà sur le design. Bon, ça reste le même. Ça reste à peu près le même que celui de l'iPhone, mais sur le côté, un peu dos en verre comme ça. À la Samsung, en fait, ils étaient obligés de mettre un dos en verre, notamment pour la recherche sans fil. Oui. On avait quand même très peur des traces de doigts, qui est quand même vraiment l'aspect négatif des façades en verre, enfin des dos en verre. Surtout plutôt. Toi qui manges beaucoup de Nutella. Moi qui mange beaucoup de gratte, dans des chips, je ne mange que des chips dans les dents comme ça, c'est sûr. Et en fait, alors au moins sur la couleur claire, c'est-à-dire que là, il y a le modèle plus foncé. À mon avis, on verra plus les traces de doigts, mais déjà sur la couleur claire, il n'y a pas trop ce souci-là, donc déjà au niveau du design, ça pose pas de souci, c'est assez joli, on a des reflets qu'on n'avait pas avant, bon après c'est une histoire de goût. Donc voilà, là-dessus, le design assez proche, personnellement, moi j'aime bien le côté un petit peu brillant comme ça, ça lui réussit bien. Oui, son petit côté bling-bling. Voilà, léger, on va dire que c'est léger. Après, en vrai, le gros point fort de cet iPhone, c'est pas ce qu'on voit, c'est évidemment ce qu'il y a dedans. Ce qu'il y a dedans la boîte. C'est la puce A11, et alors là, franchement, c'est assez impressionnant ce qu'ils ont fait. On a fait des benchmarks, il explose à peu près tout le monde. Après, les benchmarks, c'est assez limité, c'est dans des conditions particulières, on sait que ça peut être un petit peu trafiqué, etc. Par contre, j'ai joué avec, ça, c'est tout simplement assez exceptionnel en matière de fluidité. On dépasse vraiment tout ce qui se fait sur Android. Ça égale peut-être le OnePlus 5. Voilà, le seul qui peut rivaliser, c'est le OnePlus 5, donc avec le Snapdragon 835. Après, il y a quand même quelque chose qu'il faut rappeler, c'est que l'iPhone, c'est de la HD. En face, on a des smartphones qui sont soit full HD, soit quad HD. Donc, ce qu'il faut calculer, c'est pas du tout la même chose. Donc, on va dire que c'est un peu plus facile pour Apple, entre guillemets, et qui arrive avec sa puce A11, qui est dans tous les cas ultra puissante. Pour lui, c'est très facile. Ouais. Et on a 2 Go de mémoire vive, ça peut paraître pas grand-chose dans l'univers d'Android. Mais pour un iPhone chez Apple qui maîtrise vraiment toute la partie matérielle et logicielle et qui optimise tout parfaitement, ça fonctionne. Exactement, il n'y a pas besoin de plus. Raphaël, sur YouTube, petite question de Colonel68, qu'on salue. Hein, garde à vous. Tu le fais tomber, il est foutu. Tu le fais tomber, il est foutu. Bah, est-ce que ce dos en verre fragilise le téléphone? Sur le papier, théoriquement, on n'a pas essayé avec un marteau. Mais théoriquement, voilà. Alors, s'il vous plaît, apportez le marteau. Ça serait drôle, hein, quand même. Non, on fera pas ça. Le verre a une plus grande sensibilité au stress physique. Voilà. Mais ce verre-là va beaucoup moins handicapé que le verre qu'il y a en façade. C'est ça. Donc la vraie question, c'est, il y a beaucoup de Samsung, notamment à bord perdu. Là, il y a un stress physique sur un élément visible et tangible du téléphone qui, là, la vraie difficulté. C'était pour Samsung de créer ça. Pour Apple, au pire, ça sera cosmétique. C'est ça. Parce que derrière, ça reste du métal. Derrière, la structure, elle reste intégrale. Donc, il n'y a pas de raison. Ça peut être moche. Alors, ta réponse était super. Mais si je le fais tomber, est-ce que j'ai plus de chances qu'il se casse avec ce nouveau modèle ou avec le précédent? Non. Ah, avec le précédent. Avec l'iPhone 7. Si je compare avec l'iPhone 7. Qu'est-ce que casser son téléphone? Ça dépend de quel côté. Non, mais s'il tombe sur le même côté. C'est-à-dire, sur l'ancien, il aurait été cabossé. Et sur celui-là, tu auras peut-être une rayure. D'accord. Ce sera une différence visuelle, mais il ne sera pas explosé comme un écran. Ouais. Et alors ça a été fait avec Corning, donc c'est quand même ils connaissent puisqu'ils font les verres Gorilla Glass. C'est un verre très robuste. Donc c'est un verre quand même particulièrement renforcé à la base. Si on se retrouve avec beaucoup de téléphones cassés. Peut-être. À l'avant, mais aussi à l'arrière. Maintenant, pas plus que les Galaxy S7. Pas plus que les Galaxy et pas plus que les anciens iPhones. Il n'y a pas de raison. Et il faut savoir que chez Apple, il y a des professionnels de tous les corps de métier et de la chimie. Et que les traitements anti-surface qu'on a vu arriver sur les MacBooks, ils ont profité de ce savoir-faire et ils prennent un peu moins les traces de doigts. D'accord. Donc il y a quand même des avantages à ça. Raphaël, on parle un peu de la charge et de l'autonomie. Oui, alors l'autonomie, comme souvent chez Apple, malheureusement, c'est
C'est un peu en amélioration, mais c'est pas terrible par rapport à, aux meilleurs Android. Globalement, rien de neuf. Il tiendra la journée, mais vraiment, il n'ira pas plus loin. La charge, bah justement, on en parlait, le dos en vert, c'est surtout pour la charge sans fil. La charge sans fil, théoriquement, c'est censé être aussi rapide à recharger que par avec le chargeur. Franchement, je pense que ce sera pas vraiment le cas. Ce sera pas beaucoup plus lent, mais ce sera quand même, à mon avis, significativement plus lent. Voilà, après, franchement, là-dessus, il n'y a pas grand-chose qui va changer. Donc, c'est pas le smartphone le plus endurant, ça, c'est sûr. Il n'y a pas de surprise. De toute façon, la recharge sans fil, a, tant qu'on n'aura pas dépassé certaines limites, il y a la physique. Et la physique, elle dit qu'il n'y a pas de contact. Donc, ça veut dire qu'il y a échauffement entre deux phases qui ne sont pas les mêmes. Et s'il y a échauffement, il y a perte d'énergie, donc ça va moins vite. D'accord. Et après... les points négatifs, bah, bon, bah, il n'y a pas d'écran OLED, évidemment, puisqu'il est sur l'iPhone 10, il n'est pas là-dessus. Pour 800 euros, pas d'OLED, c'est un petit peu dommage, évidemment, quand on voit ce que donne l'écran. Alors, moi, après, l'écran LCD est très très bon, il faut quand même après, le dire. Moi, c'est plutôt une, on va dire, une réflexion personnelle. Je trouve que ce design d'iPhone commence à vieillir. Ben voilà, c'est son dernier point gros. Il date point de faible. 2014, et quand on le compare maintenant au dernier téléphone de toutes les marques, d'ailleurs, oui, ouais, quand on regarde un S8, bah, je trouve qu'il fait un peu vintage. Bah, il fait un peu vous mettez un S8 à côté, vous mettez un LG V30. Mais même un OnePlus ou même un, oui, même un OnePlus. Ou le dernier LG. Mais les années 80 sont à la mode. Le vintage revient à la mode, hein, c'est sûr. Mais, je pense qu'il est temps maintenant que Apple l'année prochaine arrête ce design-là. Parce que il va falloir que ça évolue. Voilà, et parce que l'iPhone 10, ce sera pour pas grand monde, malheureusement. Bon, on en parlera plus tard, évidemment. Oui, parce que visiblement, l'iPhone 10 n'est même pas rentré encore en fabrication. Bah, il est entré, mais c'est-à-dire que les livraisons, il pourrait y avoir encore retard. Pour le design, mais bon. Du quoi de cet iPhone-là ? Faire du neuf pour du neuf, à partir du moment où... Non, mais optimiser les bordures... La prise en main est excellente. Non, l'iPhone 8 Plus, on peut en parler aussi, mais l'iPhone 8 Plus est trop gros par rapport à l'écran. Optimiser le design, c'est pas forcément changé, il est très beau. Enfin, moi personnellement, je le trouve hyper beau à l'arrière, c'est très beau. Mais c'est juste que si on pouvait avoir des bordures plus fines pour avoir une prise en main plus confortable pour le même écran, personne va s'en plaindre. Bon. Et la photo ? Et la photo, Adrien Branco. Adrien. Alors là, franchement, parce que c'est vraiment c'est là où on attend au tournant Apple quand même. Ouais, je vais emmerder, mais je suis déçu. Ouais, je suis déçu parce que alors bon, j'ai testé c'est pas lui. Nous a cassé l'ambiance Adrien là en deux secondes. Oui, mais c'est mon job ici, j'étais recruté. Alors dans ce cas-là, moi je vais vous parler du 8 Plus et il partage le même module caméra principale. Donc rappelons, il y a comme chez l'iPhone 7, l'iPhone 8 et 8 Plus, le 8 a un module caméra grand angle 28 mm 12 mégapixels. Le 8 Plus profite d'un second module caméra qu'on appelle normal ou semi-téléobjectif, qui est l'équivalent d'un 56 mm f2.8 12 mégapixels sur un capteur plus petit. Ça, c'était la sauce de l'iPhone 7 Plus. C'est la sauce de l'iPhone 8 Plus. Il n'y a rien qui change. Mais déçu pourquoi alors? Parce qu'il n'y a pas assez d'avancées techniques ou Non. Alors déjà, il faut savoir que dans notre comparatif du top 10 des meilleurs smartphones en photographie, selon mes souvenirs, l'iPhone 7 Plus se classait 5 ou 6e. Avec sa raison d'être, le maximum des points que j'avais mis, c'est parce que cette fameuse seconde focale permet de faire des portraits, des détails que les autres ne peuvent pas faire. Mais c'est juste parce qu'il y a une fonctionnalité que les autres ne peuvent pas faire. En basse lumière, en réactivité, voilà. Il y a un changement notable, une jolie évolution, qui est la gestion des couleurs. Je trouve que la colorimétrie est moins mauvaise. Voilà. Avant, c'était pas bon du tout. Ça faisait deux générations que je l'écrivais et que j'étais pas le seul à l'écrire. Et là, sur cette nouvelle génération, on a les modifications qu'on attendait. Mais on n'a pas le même piqué d'image que chez les OnePlus, les Samsung. On n'a pas la même réactivité en basse lumière. On n'a pas le même punch qu'on va retrouver chez des terminaux un peu exceptionnels comme le U11, le HTC U11, qui est une bête en photographie, notamment en basse lumière. Le LG le G6 aussi est bon, non? Alors le G6 est très très bon, mais là, le HTC U11, à part sur l'autofocus, où il est soso, le U11 et les écrase tous en photo. Donc c'est pas la révolution photo qu'on pouvait attendre avec ce nouvel iPhone. Non, il a un avantage qui va être pour les gens qui achètent des terminaux souvent avec moins de mémoire. Il a le codec photographique qui fait en sorte que les photos prennent deux fois moins de place. Et il a surtout le H265 qui permet de compresser deux fois plus les vidéos. Donc pour les gens qui ont un peu moins d'argent, qui vont se contenter d'une version 64 Go et qui vont pas aller chercher 256, vous allez, par rapport aux anciennes générations, pouvoir mettre quasiment deux fois plus de photos et de vidéos. Ça, c'est cool, mais à part ça, la mise à jour entre entre 7 et 8, moi, je l'aurais appelé 7S, quoi. Oui, c'est un peu... En photo, c'est clair. Il y a une petite évolution en colorimétrie, il y a une petite évolution au niveau des formats. Il y a un nouveau mode qui est intéressant, qui est en bêta, que j'attendrai de me prononcer de manière définitive, mais je l'ai testé, qui est le fameux
éclairage studio, oui. Qui utilise beaucoup de visual computing, qui utilise des informations de distance. Pour l'instant, c'est probant dans un cas, qui a finalement juste un rééclairage des ombres. Il y a d'ailleurs un article que tu as fait où il y a des exemples justement de photos. Qui sont absolument et complètement foirés dans 75% des cas. Donc bon sang, qu'est-ce que c'est que ça ? Et le mode qu'ils appellent très intelligent, ils vont rééclairer la scène. Le seul mode qui fonctionne, c'est le mode le plus simple à faire, que tout le monde peut faire, c'est-à-dire remonter les ombres. Donc là, il y a un petit peu de déception. Et puis il y a la surprise de voir qu'un groupe comme Apple, qui affirme avoir 1000 ingénieurs sur la photo, n'arrive à faire que ça. Moi, je pense qu'ils peuvent faire beaucoup plus. Et j'attends beaucoup de l'iPhone 10. Est-ce qu'ils n'ont pas gardé pour mettre tout leur savoir-faire dans le 10 ? L'iPhone 10 va avoir, la différence, elle va être sur le second module caméra dont je parlais, il va avoir un peu plus de luminosité, donc devrait être un peu plus performant en basse lumière. J'attendrai un capteur plus grand, mais c'est compliqué. Tu payes quand même un téléphone 800 euros. Non, mais ça coûte quand même 800 ou 900 euros. Celui-là, il est à 900 euros. Moi, je suis obligé d'avoir une espèce d'attente. Et puis, mais attendez, il faut relativiser, ça fait quand même des photos excellentes. Et là, je suis d'accord avec Jérôme. On va être bien d'accord. À périmètre constant sur tous les smartphones, et quand je les teste, j'ai la chance d'avoir tous les constructeurs de smartphones, et je tiens à les remercier, nous envoient tous les appareils, joue le jeu, je les immobilise des fois pendant 3 semaines, je comprends que ça puisse être long, histoire de les avoir tous en même temps, à périmètre constant, l'iPhone, il est en milieu de classement. C'est un terminal à 800 ou 900 balles, il est en milieu de classement. C'est pas tolérable. Quand on a, le seul qui vraiment se démarque, c'est le plus parce qu'il a ce téléobjectif. Est-ce qu'il n'y a pas une notion de subjectivité, excuse-moi, je te coupe, Adrien. D'objectivité technique. C'est peut-être. Pas ça, c'est que finalement, il y a des gens qui vont écouter un son, ils vont préférer avec des basses et d'autres avec des aigus, etc. Est-ce que pour la photo, il n'y a pas cette notion aussi de subjectivité ? Qualité absolue, qualité suffisante. Ça, c'est toujours le débat que vous allez avoir dans l'informatique, dans la photo, partout. Est-ce qu'on va chercher la qualité absolue, la qualité suffisante ? Quand tout le monde a atteint une qualité suffisante, oui, après, qu'est-ce tu vas qu'on chercher attend la qualité absolue du meilleur terminal ? On attend le meilleur. Et le delta est trop grand. Voilà. D'accord. En tout cas, c'est le verdict d'Adrien Branco qui, rappelons-le, n'est pas un rigolo dans le domaine. C'est notre spécialiste photo. Quand il dit un truc, en général... On s'écrase. On s'écrase. Non, c'est pas le but. Non, c'est pas le bien but, sûr, Adrien. Mais... Non, mais voilà. Mais je pense qu'il y a beaucoup ça, c'est parce que c'est ton métier. Voilà. Je suis un peu déçu par Apple. J'ai adoré je suis sûr les photos du mode portrait. Mais pour avoir un iPhone, je trouve que à mon niveau, et je n'ai pas ton expertise, je trouve qu'à mon niveau, je fais de très belles photos. Mais ce que je comprends, c'est que finalement, je ne serais pas obligé de mettre autant d'argent pour avoir la même qualité de photo. J'ai été épaté que le OnePlus arrive à mettre. Même le mode portrait, on n'a pas parlé du mode portrait. Moi, je trouve qu'il est plutôt sympa le mode portrait. C'est un mode reportage sur le OnePlus, parce que c'est un équivalent 32 ou 35 mm, un peu plus resserré, les portraits vont être moins impressionnants, mais l'autofocus est beaucoup plus percutant, le rendu des couleurs est plus juste, il n'y a pas de filtre passe-bas sur le capteur. On peut dire merci à Apple par contre sur un truc, c'est d'avoir poussé les autres à faire du mode portrait. C'est ça qui est bien. C'est qu'Apple, quand il sort un iPhone avec un mode portrait, il dit à tous les autres, vous pouvez y aller les gars, et que les autres derrière font du mode portrait. C'est grâce à Apple qu'on va avoir du OnePlus à 500 € qui fait du mode portrait. Et surtout, aussi. Ils ont fait la chose, et c'est pour ça qu'ils sont toujours quand même dans mon milieu de classement. Un second module caméra, désolé Huawei, ça n'est pas un second module qui a exactement la même focale. Huawei, Apple a dit, si je mets un second module caméra, c'est pas pour améliorer un peu à gauche à droite, c'est fait pour offrir une autre perspective photographique. Et toujours, à l'heure actuelle, et c'est pour ça que je maintiens l'iPhone 7 dans le top 10, ce portrait est pour beaucoup de photographes irremplaçable, même si sa qualité n'est pas au niveau de ce qu'on attend. Merci beaucoup Adrien. Je t'en prie. Merci. Et puis beaucoup plus d'informations sur tout ça, avec des détails et tes explications techniques sur 0net.com avec un article entier qui vous attend là-dessus. On passe à un autre smartphone vedette du moment. On n'a pas eu le temps d'en parler tellement la semaine dernière, etc. C'est le Galaxy Note 8, Raphaël. Vu qu'on parlait du mode portrait, on peut embrayer là-dessus parce que Samsung sort le premier smartphone. Alors, je vais en parler après, il y a beaucoup de choses à dire. Mais c'est le premier smartphone Samsung avec un double capteur. Et justement, on disait merci Apple parce que aussi Samsung prend la même direction qu'Apple et met un mode portrait, donc avec une focale plus resserrée. Ce qu'on n'avait pas dans le S8. Ce qu'on n'avait pas dans le S8, ce qu'on aura sûrement dans le S9. Là, on l'a dans le Note 8. C'est un mode portrait qui est, on va dire, encore à améliorer, mais qui est hyper prometteur. C'est-à-dire, j'ai pris 7-8 photos. D'abord avec le Note 8 en portrait dans les mêmes situations et les 7-8 photos en portrait dans les mêmes situations, donc avec l'iPhone 7 Plus. À l'époque c'était avec l'iPhone 7 Plus puisque j'avais pas encore l'iPhone 8 Plus. En fait les algorithmes, ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a Samsung a des algorithmes comme Apple pour déterminer le flou, le fameux mode bokeh. Là-dessus il est pas mauvais. Après on va dire que c'est un peu plus franc que chez Apple. D'accord. C'est assez précis, mais Apple en gros, là où ils sont très malins,
pour plaire au plus grand nombre, c'est que quand l'algorithme il sait pas trop, mince ce cheveu, je sais pas s'il y va ou pas, si c'est zone nette de flou, bam, on met un petit flou et puis ça passe très bien. Samsung, il souffre presque d'être un peu trop honnête et de nous dire, finalement, nous, on va y aller de façon très précise. Donc, on voit que l'algorithme de Samsung est assez performant, mais qu'à l'avenir, il va falloir un peu adoucir les choses. Et après, par contre, si on regarde du côté de la qualité du second capteur photo, là, effectivement, le second capteur photo de Samsung est meilleur que celui d'Apple. Il est plus lumineux, il a un meilleur pic. On peut dire que le Galaxy Note 8 fait de plus belles photos que l'iPhone 8. Alors non, parce que je l'ai comparé à l'iPhone 7 Plus, puisque le test, je l'ai fait, on n'avait pas encore l'iPhone 8 Plus. Donc c'est là où c'est un peu, il faut être honnête, je l'ai comparé à l'iPhone 7 Plus, on va le comparer aussi à l'iPhone 8 Plus. Donc le verdict, ça concerne que l'iPhone en cette génération. Par contre, le capteur photo est très bon dans l'absolu, c'est un super capteur photo. Et puis surtout, on parlait d'éléments objectifs pour la qualité photo. Il y a un élément objectif qui est la force de Samsung, c'est la mise au point et la vitesse de prise de vue, mais c'est hallucinant. En un dixième de seconde, on prend des photos parfaitement nettes, mais incroyable. Et ça, on l'a aussi sur le S8. Et alors là-dessus, Samsung, mais ils explosent, mais tout le monde, le monde, mais de la tête et des épaules, c'est impressionnant. Et alors pour le reste? Alors pour le reste, il y a le S Pen, surtout le S Pen quand même, le stylet. Oui, parce qu'il y a la grosse particularité. Parce qu'en fait, même si on se demande qui utilise ça. Pas moi. Franchement, moi, je m'en fiche complètement, mais je suis sensible à ça. Nous sur Twitter. Parce que je sais que je suis pas représentatif et qu'il y a des gens pour qui c'est important. Et le dernier avec le S Pen, c'était quand même en 2014 avec le Note Edge, donc ça remonte, il n'y avait pas eu le Note 5, et puis le Note 7, il a explosé malheureusement. Mais le S Pen est quand même assez exceptionnel aussi. Moi qui ne l'utilise pas, je peux dire ça d'autant plus librement que moi je suis pas sensible à ça, mais vraiment quand on fait du dessin, etc. Alors évidemment il y a la limite de l'objet, donc on va pas faire, c'est pas une tablette graphique, mais au niveau du ressenti, quand on écrit aussi, quand on prend des notes, on a l'impression d'écrire sur du papier. Alors il y a 4000 points de pression, donc on joue vraiment sur le trait, c'est hyper précis. Franchement, en matière de stylet, c'est vraiment assez incroyable. Après, on retrouve les qualités du S8, on va pas trop revenir là-dessus, mais l'écran bord à bord, évidemment, qui est juste... Mais on parlait tout à l'heure de design, je trouve que ça, c'est un téléphone qui donne une claque à l'iPhone en termes de design. Je parle de l'iPhone 8, pas du 10. Le S8 avait donné une grosse claque, celui-là, évidemment, il donne la même claque 6 mois après. C'est absolument magnifique. Il est cher aussi, il a plus de 1000 euros, il a 1009 euros, mais finalement si on compare à l'OLED bord à bord de chez Apple, c'est quand même 200 euros de moins, 150 euros de moins, et effectivement avec un format plus important. Après voilà, la réserve, il y a quand même plusieurs réserves, c'est que si vraiment on n'est pas fan du S Pen comme beaucoup de gens, ça s'adresse vraiment quand même à des fans, autant prendre le S8, sauf si vraiment on veut prendre des photos en mode portrait, mais sinon franchement le S8 il coûte 800 euros, moi je conseillerais plutôt le S8, le S8 Plus. Parce que ça reste quand même assez cher, 1009 euros. Oui, après, donc, ça peut être pour les gens qui ont vraiment besoin de prendre des notes, les journalistes par exemple. Voilà. Et puis toujours juste même défaut, le capteur d'empreinte digitale derrière. Non. Vous retrouvez le test complet du Galaxy Note 8 sur Zeronet TV, avec une vidéo qui est disponible depuis hier. Et puis, notez que dans 20 minutes sur Zeronet TV, le test de l'iPhone 8 en vidéo, avec Pierre Fontaine qui l'a pris en main. Donc dans 20 minutes, c'est ça, Noémie? Il est en ligne déjà. Il est déjà en ligne. Sapristi. Non, mais je dis ça pour pas que vous partiez aller voir le test. Donc attendez, attendez qu'on dise au revoir et après vous irez voir le test de l'iPhone 8 avec Pierre Fontaine. Et 19h sur YouTube. Voilà, c'est sur zeronettv.com qu'il y est déjà. Ouais, dans un instant, on parle de drone. Juste avant, peut-être la question orange, François. On refait un petit point sur la question orange. On fait un petit point sur la question orange. Une question évoque ces fameux logiciels, vous le savez, anti-espions. Utilisez-vous justement un programme anti-logiciel espion? Oui, non, notre question Zeronet Orange. Oui, il y a seulement 37%. Ouais, c'est pas terrible. Enfin, c'est pas très... Voilà, c'est pas beaucoup. Et non, 63%. Voilà. Soit par méconnaissance, soit par choix. Oui, peut-être que vous avez... Et puis c'est vrai que quand on a Windows 10, aujourd'hui, on a malgré tout des logiciels de sécurité qui sont installés, notamment Windows Defender qui fait pas mal de boulot. Merci beaucoup, Raphaël. Merci François. Il n'a pas chômé Raphaël aujourd'hui. Il nous a fait l'iPhone 8, le Galaxy. Il y avait du boulot. Et on a Caribou sur Twitter qui nous dit j'utilise Caribou. Jamais un stylo. Donc un stylo. Un stylo normal, donc je vais pas utiliser un stylet numérique. C'est vrai qu'aujourd'hui on se sert de moins en moins de stylets et de moins en moins du clavier avec la reconnaissance. Plus écrire avec un stylo. Non, c'est vrai. David Noguera, pour terminer ce Zéro en live, un peu à rallonge si vous voulez, mais bon, il y a beaucoup d'infos. Beau sujet. On a voulu vraiment tout caser dans ce Zéro en live et on va parler d'un drone. De drone, c'est ça. Je l'ai amené avec nous, on l'a reçu parce que bon, il est commercialisé, il va être là depuis mardi ou mercredi, ce Bebop
de Power. Alors, c'est vrai que quand Parrot nous a dit on va venez nous voir, on a un drone à vous montrer, on s'attendait un petit peu c'est le même. Autre chose, effectivement, parce que Bebop 2 Power, en fait, eh bien, c'est un Bebop 2, donc peut-être certains connaissent déjà. Power, donc en version noire. Alors, elle sera côté design, c'est vrai que c'est assez joli, hein, c'est plutôt bien réussi, mais et puis peut-être que le noir aidera à le repérer un petit peu plus facilement dans le ciel, parce que souvent le ciel est blanc et donc du coup un petit peu la nuit c'est plus fait pour à moins de se fier vraiment plus qu'aux lumières. Oui, il y a des lumières, bien évidemment, il y a tout ce qu'il faut. Bon, la nouveauté de ce produit, c'est qu'effectivement il arrive, il est surtout concurrent du DJI Spark. Alors c'est vrai que du coup le drone, c'est qu'il vole. On va lancer des votes sur tes blagues, parce que le sapristi tout à l'heure, je pense qu'on va s'en reparler. Moi j'adore ce drone, j'ai joué à ça cet été, je l'ai un peu découvert et j'ai adoré. Bah oui, alors en fait, tu l'adoreras encore plus, parce que maintenant, alors, si dans le form factor, c'est pas encore le concurrent du DJI Spark, le petit drone très réseaux sociaux que DJI a lancé avec cette reconnaissance gestuelle, dans le form factor, c'est pas encore ça, il n'y a pas eu de changement, il est quand même assez léger, 525 grammes, donc il n'y aura pas besoin de dépôt de permis. Il est plus gros. Il n'y aura pas besoin de dépôt de permis ni quoi que ce soit pour pouvoir l'utiliser, puisque il est sous le poids maximum autorisé. Et surtout, maintenant, il intègre des fonctions intelligentes qui utilisent la caméra et le GPS du smartphone. C'est-à-dire que maintenant, il a des fonctions Follow Me, donc de tracking. Alors ça, c'est arrivé un petit peu avant l'été sur Bebop 2. Et ça s'améliore avec ce produit qui, on nous dit, est un petit peu plus intelligent encore que le Bebop 2. Et plus endurant, puisque la batterie, elle est un petit peu plus grosse, ce qui explique maintenant qu'il prend aussi quelques grammes de plus, 525 grammes, puisqu'elle tient 30 minutes. Alors 30 minutes, c'est vraiment pas mal. C'est pas mal, hein, et c'est d'autant plus sympa que dans le pack, que j'ai quand même ramené quelques accessoires qui sont ici, on a quand même le Fly Controller, qui est un produit indispensable dès qu'on commence à utiliser des trucs comme ça, qui peuvent aller à près d'un kilomètre de portée. Alors on met le smartphone là-dessus et puis on vole avec l'application. Et puis il y a la deuxième batterie, donc on est finalement à une heure de vol dès l'achat du produit. Ça, c'est quand même aussi une bonne nouvelle. Et puis, deux fois une demi-heure, il faut qu'il revienne. Mais voilà, quand on a chargé la batterie, il attrape, de toute façon on le fait revenir assez souvent. Et puis il y a ce masque là on le sait, ce sont les packs FPV et le masque il était un peu gros. Alors mets-le s'il te plaît, David, parce que tout le monde sur YouTube, nous avons des millions de gens qui veulent que tu mettes ce masque. Ah oui, mais s'il te plaît. Non, tu veux pas? Si je vais le faire. Donc l'avantage de ce masque, c'est que regarde nos internautes. C'est en fait, ce qui se passe, c'est que le masque, il est effectivement assez petit lorsqu'il est replié, et hop, je peux l'étendre, et donc du coup il devient encore plus simple à transporter. Le smartphone, il se met toujours à cet endroit là c'est pas grave, c'est pas la peine que tu mettes le smartphone avec dedans, la possibilité, j'essaye de faire traîner voir si vous oubliez, la possibilité d'activer le passage à la vue réelle via le smartphone, ça c'est quelque chose qui était très demandé, parce qu'il faut toujours garder le drone en vue. La possibilité aussi d'ajuster ici avec deux petites molettes l'anthrax pour les yeux, et lorsqu'on le porte, voilà ce que ça donne. Alors c'est pas mal. Non, il te manque que le superbe tuba. Il te manque non, que mais le tuba, David, tu es magnifique. Oui. Je l'ai fait. On dirait un mignon. Ça c'est fait. Bon, la promesse du Parrot Bebop 2 Power, voilà, lapsus, c'est que il rejoint quand même effectivement cette utilisation un peu plus réseaux sociaux. Il vient d'envoyer un message, tout va bien. Non mais c'est vrai que je sais pas si ça sera la dernière chance de Parrot pour se refaire un petit peu sur les drones aussi. Mais la promesse, c'est vraiment de rejoindre cette utilisation du drone dans les réseaux sociaux, faire des images avec des fonctions Follow Me, ces modes Orbit, Tornade, sur lesquels le drone adopte automatiquement des fonctions qui sont à la base assez dures à faire. Et maintenant, il y a même des fonctions Autoshot. C'est quoi le mode Tornade? Alors, le mode Tornade, en fait, il part d'un point fixe et donc il monte verticalement au-dessus de nous, et au fur et à mesure, il décrit une tornade. Voilà, donc il y a le mode Orbit où il va tourner, il y a un mode à 360. Ça, c'est pour les effets de prise de vue. De prise de vue, tout à fait. Ouais. Impressionnant comme ça fait de belles photos, de belles images. Et surtout la stabilité du truc. Exactement. Mais on fait des images quasi de qualité professionnelle. Il y a toujours pas. C'est un peu le regret. C'est un peu tout ce qu'on. Enfin, on était quelques journalistes. C'est un peu ce qu'on leur a dit. Oui, mais alors la 4K. Quand est-ce que ça arrive? Alors, je pense quand même qu'on va s'en reparler au moment du CES. Hein. C'est un peu tout cela. Enfin, c'est ma conclusion. C'est-à-dire que je pense qu'ils nous gardent quelque chose pour le CES, donc pour janvier. Et je pense que techniquement, le truc va arriver un peu plus fort. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'intégration des nouvelles fonctions logicielles, et surtout ces fonctions, elles arrivent, y compris pour les utilisateurs de Bebop 2 actuels, c'est-à-dire qu'ils vont avoir la mise à jour de l'application Free Flight Pro, et ils auront ces nouvelles fonctions de tracking. Et ça, c'est quand même vraiment pas mal. Belle initiative, parce qu'en plus, il y a des petits plus. Alors, on y reviendra parce qu'on va le tester, mais il y a des
touch and fly, c'est-à-dire qu'on a son smartphone, on passe en mode carte, on touche la carte et puis le drone y va automatiquement, ce qui laisse potentiellement la main au pilote de s'occuper juste du cadrage vidéo. Enfin, voilà, faut qu'il n'y ait pas d'obstacles par contre. Il ne détecte toujours pas les obstacles. Voilà. Donc, ce qu'on peut regretter un peu du côté de la R&D de Parrot, c'est que ça avance, mais pas assez vite. Et ils se sont fait vraiment manger par les Chinois il y a quelques temps. Et c'est compliqué. Non, mais c'est vrai que c'est compliqué pour eux de revenir sur le... Après, DJI notamment et les autres constructeurs. DJI est leader contesté. Ouais. Après, à 699€, le pack reste, selon moi, intéressant. Je vais le tester. D'accord. On y reviendra, mais je pense que c'est un produit intéressant. Une question d'un certain Caribou sur Twitter. Alors, est-ce que je peux utiliser mon stylet que nous n'avons pas... que Caribou qui nous regarde. Alors, on n'a pas qu'un spectateur, quand même. On en a beaucoup d'autres, mais Caribou est à fond. Voilà. Voilà, il nous demande, ça c'est vrai, c'est un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas, si il n'a plus de batterie, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il se crache ou il rentre à la maison? Alors, si le pilote va vraiment jusqu'au bout de la batterie, c'est-à-dire qu'au-delà des alertes et des propositions de back home, ça, moi, c'est etc. Arrivé, j'ai perdu le contrôle, le truc, il était monté très très haut. Ah non, ouais. Alors, soit il s'immobilise, radio, soit il s'immobilise à partir du moment où le contrôle est perdu, et donc c'est un peu le même principe au moment de la perte de batterie, on reçoit quand même beaucoup d'alertes pour se dire attention, ça serait bien là que je revienne à la maison parce qu'il y a ces fonctions de return to home, ou alors au bout d'un moment, eh bien, il va envoyer un signal et vous aurez sur l'application mobile le dernier emplacement connu, sachant qu'en plus maintenant il y a le Find My Drone qui permet de retrouver le drone lorsqu'il s'est posé et qu'on ne sait plus exactement. On rappelle bien entendu qu'on ne peut pas utiliser ça n'importe où, n'importe comment. Non, il faut être très pas vigilant. Des gens, pas dans les lieux publics où il y a des gens, etc. Exactement, tout à fait. Faire gaffe. Non, c'est sûr, on ne pouvait pas, par exemple, dans un centre commercial, faire voler ou dans une salle de cinéma. Pas au-dessus des habitations, au-dessus d'une foule. Il y a un site, un géoportail avec différentes zones, parce qu'il y a des zones autorisées à 30, 50, 100 mètres. Ah bon, on se dit que c'est compliqué. C'est compliqué quand même. Par exemple, à Paris, vous êtes obligé de prendre l'autoroute et d'aller, je sais pas d'aller où. Sinon, sur la mer, là, c'est open. Sur la mer, oui, on peut, en effet. Voilà. Eh oui, et un power dans deux semaines, me dit Pierre, qui est en train de... Vous savez qui... Pierre, tu es là. C'est le monsieur qui arrête pas de rentrer, taper dans les lumières depuis une demi-heure. Exactement, et à chaque fois, on entend... Si vous avez entendu il tombe dans les lumières, c'est sympa. Pierre, qui pourtant est sobre, non, c'est cogné dans les spots ce soir. En tout cas, Pierre est en train de nous dire que dans deux semaines, il y aura un power spécial, donc, avec ce drone. Non ? Sur les drones. Les drones, législation, etc. Voilà. Merci. En plus, ça se voit qu'il ne me souffle pas. C'est ça qui est parfait. David Oguera, merci beaucoup. Merci à vous. Je retiendrai qu'une seule image. Tu sais laquelle? Parce que voilà, tu mets celle de moi et petit du masque. Qui va... Alors, écoute, c'est pas déshonorant. Non, ça va très bien. Elle est déjà sur Twitter. Elle est déjà sur Twitter et elle s'arrache, cette image-là. Non, mais c'est vrai, elle est sur Twitter. C'est pas nous qui l'avons mise, d'ailleurs. Non, je comprends pas. Allez, pourquoi. On la retweet. On va retweeter ça quand même. Oui. Hop. Allez, combien d'abonnés? 80 quelques mille, non? Sur 01net TV. Tiens, d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner sur la page 01net TV. Et Instagram aussi, le compte Instagram, sur Facebook, sur tout. Hein. On n'est pas sur MySpace, Noémie, on a arrêté MySpace, je crois. MySpace, copain d'avant, on a... On a arrêté, voilà. Et puis sur Minitel aussi, si vous voulez. 3615 0net TV, ça marche encore. Et j'ai ma tante qui vend une mobilette aussi, je ne sais pas si ça intéresse les gens. C'est ça. Très bien. Tatata, une mobilette, donc. Bah, c'est cool. Jérôme, t'as rien à vendre? Non pas, Si, mais c'est... C'est personnel. Je vais me débarrasser d'un camarade de jeu camarade qui est un peu encombrant. Si quelqu'un voulait bien l'adopter... Si vous voulez, voilà. Je suis là, il n'y a pas de problème. Bon, merci en tout cas d'avoir été avec nous. Alors, je crois qu'on a explosé les temps de parole de ce 01 à live. Heureusement qu'on n'est pas obligé de comptabiliser parce qu'on est pratiquement à 50 minutes. En tout cas, on a été ravis d'être là. C'était un vrai plaisir que de vous retrouver. On se retrouve jeudi prochain pour un nouveau numéro de 01 à live. Vous le savez, revenez tous les jeudis soirs à 18h et faites-le savoir autour de vous. Le show high-tech en live, c'est sur 01net TV chaque jeudi. Exactement. Bonne soirée à vous toutes et à vous tous et à très vite. Salut à tous.